Ok, c'est bon, on part, allez, c'est parti, c'est y part, ça gueulait depuis tout à l'heure, là, lance Fallout 4, lance Fallout 4, et ben c'est chose faite, et on va retourner, foutre la merde, bouge pas, j'arrange un peu, je me repoudre le nez, voilà, regarde, tac. Alors, on a 2-3 trucs de nouveau, que vous allez voir assez vite, je pense. Allez, ouf. Ça me rappelle une musique DSBM. C'est quoi DSBM? Je connais NSBM, mais National Socialiste. Allez, j'ai de la citronnade. Allez, petite gorgée de citronnade. Ouh, ça pique, mais... Ah, ça pique, ah. Ça pique, mais c'est bon. C'est trop bon, la citronnade, poteau. C'est trop bon, la citronnade. Améliore ma M16. Mec, on a bien mieux que ça, DS, maintenant. Tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Alors oui, donc les temps de chargement sont toujours aussi horribles. J'ai essayé de faire deux fixes différents pour régler le problème. Je sais pas si ça a marché, on verra bien. Alors, on a toujours la bonne vieille Adwim dans nos mains. J'ai craft des munitions hier soir. Donc on devrait être tranquille, on a pas mal de munitions. Voilà, toujours, hein. Elle est toujours impeccable. D'ailleurs, attends, il faut que je vous montre un peu le personnage. Vous devez vous dire, mais attends, c'est quoi ces manches? C'est flou, mais non, c'est pas flou. Voilà, voilà notre personnage, voilà ce qu'il est devenu. Lucifer. Attends, est-ce qu'on peut bien voir les yeux? Attends, on voit pas bien les yeux, là, je crois. Est-ce qu'il y a des yeux un peu particuliers? Regarde comment il est beau. Regarde comme il est beau. Et allez, ça lâche des caisses. Donc on a toujours notre bon vieux, voilà, notre bonne vieille tour de Babel. J'ai foutu les trucs devant, etc. L'intégriste du Wasteland à l'intérieur, j'ai ma petite famille. Oh, il est où le mari? Oh non, il est où? Attends, il y a Carla, mais Carla, tu restes là, je t'ai dit, tu descends pas de la table. Incroyable ça. Il est où le mari? Oh non! Putain, vas-y, je suis dégoûté. J'avais une bonne petite famille qui mangeait. Ils étaient très très sages. Ici, voilà, j'ai toujours les 4 projecteurs. J'ai toujours le petit hôtel à Bounce. Oui, j'ai une toute petite salle de muscu ici. Projecteur de limit. Limit. Walk along the razor's edge. Allez, on se casse, c'est bon, t'as fait ton set. 2 x 1. Mais si, Chubby, mais ça c'était dans le jeu de base, mec, hein, Chubby. Hein. C'est pour ça qu'on t'a dit la dernière fois, ouais, mais on peut pas en faire. Donc, ça c'est l'armure que j'avais avant, on a nos sets et tout. Et on a. Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a en plus de la dernière fois, donc on a toujours lui. Mais on a toujours celui-là surtout, le Mauser. Et c'est un Mauser calibre 50. Il est. Écoute. Il est impossible, poteau. Donc, qui veut être mon Mauser? Non, trop tard. Et non, Hades, tu l'as dit avant. Donc non, ça comptera pas. C'est moi qui décide quand je commence. Qui veut être mon Mauser calibre 50 à partir de maintenant? Attention. Lysander. Eh ben écoute, Lysander. C'est hyper, voilà, impec. Donc voilà, on a toujours le reste, on a toujours Adwim, la MG42, Enculatrix, Hoffman, Lysander, Redson, Spider, qui a du mal à charger comme d'hab, Chubby et Scholar. Voilà. Impeccable. Ok, jeune sub. T'as pas le droit. T'as aucun droit. Par contre, j'ai l'impression que le jeu... Donc je crois que je suis à 110 modes, il me semble, 105 ou 110 modes. Et c'est de plus en plus galère à faire tourner. J'ai l'impression qu'elle merde vraiment, quoi. J'ai l'impression que j'ai des lags que j'avais pas avant. Attends, je crois que j'ai aussi... C'est parce qu'il y a ça qui tourne derrière. Tu sais quoi? Vas-y, je vais couper Chrome. Allez, hop, on coupe Chrome. Bah les couilles. Elle est où, ta cuillère? C'est vrai que j'ai oublié de faire ça. Alors, il fallait que je fasse ça. Bouge pas. Parce que j'ai chopé une arme qui a l'air impeccable. Mais je sais pas si c'est là. Ah, Combat Spoon, je crois que c'est là. Voilà.
Impeccable, combat spoon. On a un Mauser calibre 50, mais on va se battre avec la cuillère. Est-ce qu'on a des upgrades? On a des upgrades. Allez, allez go, qui veut être ma petite cuillère? Qui veut être ma petite cuillère à partir de maintenant? Ah bah B44, tiens, c'était le premier. C'est le premier, mais bon, ça compte pas tellement, mais écoute. Allez, B44. Trop tard. Mais Nomura, t'es déjà une batte, pourquoi tu pleures? T'es une grosse batte. T'es où d'ailleurs? Oui, donc j'ai changé aussi grâce à Momo qui m'a filé des mods pour avoir un HUD qui est un UI qui est pas non plus à gerber. Voilà, vous êtes tous là, il y a Poods même, il y a Nomura, on a les katanas de plasma et tout, on a plein de trucs, hein, on a plein d'armes. Et je vous rappelle quand même que là, on est à je sais plus combien de streams, c'est pas le 9e, 10e peut-être, 9e ou 10e stream, 24 heures de jeu, et j'ai pas encore fini l'aventure principale, les gars. Donc il y a encore du temps pour noter des noms, pour que vous deveniez des armes, donc vous inquiétez pas. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, on va aller direct trouver Virgil à la Glowing Sea. Voilà, on va avancer un petit peu dans la quête. Je vais faire péter viteuf le fusil à mon nom, je vais voir l'automatique. Ah oui, j'ai changé ça sur Spider. Alors, voilà ce que fait Spider maintenant. Hop. Voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà ce qui est devenu Spider. Non, attends, je voulais vous montrer du coup le visage. Bougez pas. Regardez ça. Regardez notre personnage qu'on a maintenant. Si ça charge. Voilà. Est-ce qu'il est pas sublime? Franchement, est-ce qu'il est pas beau comme ça? Ouais, c'est Satan, c'est clairement Satan, ouais. En fait, à la base, pour tout vous dire, normalement, à la place du chapeau de cuisinier, là, il devait avoir un chapeau de la Waffen-SS. Mais j'ai pas réussi à faire tourner le mode. Donc, ça aurait été sympa, je pense. Une espèce de costume à moitié BDSM de meuf en cuir et le chapeau de la Waffen-SS, mais ça a pas marché. Et normalement... Oh là 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 là. C'est génial, mec. C'est génial. Il lâche des caisses en même temps. C'est pas possible. Allez, bref, on va stepper près de la Glowing Sea et puis on va aller trouver Virgil. Find Virgil in the Glowing Sea. Ah bah c'est là, en fait. Je crois qu'on allait là, moi, mais en fait, c'est juste là. Bon, bah, c'est facile, en fait. Pas parce qu'il arrive dans le Westland en mode bonus Diaz fuck boys. Buenos dias, fuck boys! Welcome to the fuck zone! Allez, on va voir si le temps de chargement ça s'est un petit peu amélioré. J'ai l'impression que ça m'a déjà niqué mon framerate. En gros, ils disent que les temps de chargement, il est directement lié au framerate. Donc ce que j'ai fait, j'ai uncap le framerate. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ça me file par moment 350 FPS et du coup, ça me nique complètement mon framerate. Mais c'est pas grave. Tant pis, on verra bien. Et du coup, normalement, voilà, j'ai aussi une lampe torche. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Eh merde. Putain, évidemment, je coule. Putain, fais chier. Est-ce que j'ai mon jetpack sous l'eau? Non, j'ai pas mon jetpack sous l'eau. Ah, putain. Bon. Oh. Merde. Est-ce que je peux prendre des rades aussi, même dans ma tenue? C'est chiant, je croyais que la power suit elle empêchait ça. Et pourquoi j'ai que deux fusion core? Ah, je crois que j'ai revendu les autres. C'est vraiment un junkie le mec. Allez. C'est pas censé être ultra résistant à fond jeu. Bah oui, mais face à un putain de fusil antimatériel, poteau, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est fait pour, hein. Attends, ils sont où? Ow. Ah, il nique ta race. Mais qu'est-ce que vous faites? Je sais pas ce qui se passe.
J'ai aucune idée de ce qui se passe, mec. Attends, je vais prendre un peu Adwim parce que là ça chie un peu. Attends, carte. Non. Retirer marqueur, voilà. J'ai foutu un marqueur sans faire exprès. Voilà. Allez, on trace. Si tu chopes pas la casquette SS, je mets tous les noms des membres de la LMF sur une liste VIP à l'essin pour un camp de vacances en Pologne. C'est joli la Pologne. Cracovie et tout. Mais t'es mal barré, la moitié de ma famille est polonaise et l'autre moitié elle est russe, donc je serai à la maison là-bas. Hein. Oh, l'Irlande! B40, mais mec, je vais pas me battre avec une cuillère. Bon bah ok, j'utilise la cuillère alors. Oh là là, l'ego du mec, le melon quoi. Le melon du mec. Voilà, impeccable. Ok. Coup de cuillère. Ouais, enfin, coup de cuillère avec une putain d'armure motorisée. Disons que ça change un petit peu la donne, quoi. Quoi? Il y a un super mutant? Ah oui. Bah viens. Mais je dois rester ici. Ma mère, elle veut pas que je rentre avec les... Elle veut pas que je parle avec le super mutant. Elle pense qu'il faudrait qu'il trouve un boulot. Ah. À mon avis, ça va être intéressant, là. C'est quoi ton mode? J'en ai 120, poteau, hein. Donc, c'est quoi mon mode? C'est un peu compliqué à dire comme ça. File-moi... non, pas un Stealth Boy. Il me faut un Steam Pack. Mais c'est où les Steam Pack? Ah, d'accord, ok. Je le vois... Ah. Bon, bah voilà, ça s'est fait. Bon, y a Adwim, sa mitrailleuse, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop surpuissante, mec. Allez, je prends ça. C'est quoi, ça? Il est moche. Lui, il y a pas une quéquette, là? Pff. Franchement, quitte à faire, mettez des énormes quéquettes, quoi. Je vois pas le... Remington modèle 700? Qu'est-ce que c'est, ça? Remington modèle 700? Mais c'est pas du... Oui, c'est un fusil de chasse, quoi. C'est un fusil de chasse normal. C'est quoi? C'est qui a parlé, là? Attends. Pourquoi ça s'appelle un Remington, maintenant? J'ai un mode qui m'a changé les... J'ai un mode qui m'a changé les noms, en fait. Du coup, maintenant. Attends, il est où? Ah, Lysander. Je vais tester un petit peu Lysander, voir ce qu'il donne. En le calibre 50. Je vous rappelle, hein, c'est un Mauser calibre 50. Massacreur. Voyons, c'est de la merde. Merde. Bon, alors, j'ai loupé. Ah non, ça va, c'est pas mal. Oh non, petit chien, non. Viens. Qu'est-ce qu'il fait? Il est gentil, petit chien. Il est gentil, c'est un petit Doberman. Il est où? Il va me bouffer, j'ai pas confiance. Oh, il m'a fait peur. T'as pas foutu le mode pour avoir les quéquettes et les chomblics sur les ghouls? Si, mais pas tout le temps. J'ai mis assez rare, quand même. Je l'ai mis assez rare. Pour pas que ce soit non plus... à chaque fois, on voit des chomblers. Hein, c'est pas non plus... pas non plus le mode... Le truc escompté. Toi, tu me fais peur, toi. Je t'aime pas. Attends. Voilà. Mais quoi? Mec, je fais un stream, je suis pas là pour que tu te branles. Coffre-fort expert. 300. Ouh, du point 300 AP. C'est quoi ça? Ouais, du jet, je prends. Super. Ouais, super mutant, on s'en fout. Super mutant ninja turtles. Arrête de lâcher des caisses, s'il te plaît. T'es en armure, mec, respecte-toi. Ok. T'as une liste de tes modes utilisés quelque part, Ruru? Alors, faut que je trouve comment on les exporte. Mais à chaque fois, je me dis qu'il faut que je le fasse, mais faudrait que quelqu'un me le rappelle après le stream, en fait. Est-ce que quelqu'un pouvait me tag après la fin du stream pour que je le fasse, pour que je me montre la liste de modes que j'ai? Tu te souviens des petits points blancs pendant le stream de Man of Medan? Ah non, quand même pas. Bah... Mais mec, mais je comprends pas. Mais pourquoi ça fait ça? Mais je les ai pas, moi, c'est ça le pire. Et puis en plus, j'ai coupé, évidemment, Chrome. Mais je comprends pas, et c'est pas sur les rediffs, en plus, hein. Enfin, il me semble pas. Est-ce que quelqu'un peut aller voir tout, vite fait, sur la rediff de Man of Medan, s'il y a les trucs? Mais j'ai pas l'impression, hein.
putain, mais c'est Mérade en fait ça. Attends. C'est Mérade qui sont là pour ça. C'est où, Radaway? Ouais, allez, non. Ça faisait longtemps, hein. Ouais, ça faisait longtemps. Tiens, je vais utiliser cette grenade cryogénique parce que ça fait des milliers d'années que je l'ai dans mon inventaire, j'ai jamais utilisé et puis ça me saoule. Moi, je les ai pas perso. Perso, j'ai que de. Bah, c'est bizarre quand même. Rien non plus. Ça doit être rapport à votre navigateur, non? Il doit y avoir des navigateurs qui sont touchés et d'autres non. Mais je sais pas, je sais pas. De toute façon, le lecteur Twitch, il est niqué. Ça fait des dizaines d'années qu'il est complètement pété, il est ultra lourd. Il pète dans tous les sens, c'est catastrophique. Donc tant qu'il changera pas ça, il y aura pas d'amélioration. Hein. Je suis sûr qu'il est sur Firefox, le jugement de valeur. Alors, tant qu'on est dans la Glowing Sea, on a des trucs à récupérer dans la Glowing Sea. Et je sais qu'on a quelque chose qui, je pense, ravira petits et grands à choper dans la Glowing Sea. Oh, fuck! Attends, on va prendre la Dwim pour ça. On va prendre la Dwim, je suis désolé. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on prend Adwim. Alors, il faut que je trouve, je crois, un Red Rocket. Je crois que c'est un Red Rocket qu'il faut que je chope, mais je crois qu'il est encore plus bas, en fait. On va le chercher, quand même. C'est que la capture de jeu est un pixel plus court que celui du background animé que t'as derrière. Ah non, poteau. Ça, je peux t'assurer que non. Parce que ma capture, elle dépasse en fait. Il y a pas de trou possible. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est ça que vous voyez là? Bah c'est bizarre quand même. Bah attends, je vais recommencer une capture. Bougez pas les gars. Bougez pas, je vais régler ça. Je sais que c'est chiant pour ceux à qui ça marche pas. Donc fais weird. Tac. Capture de jeu. Ma capture de jeu ne marche pas du tout en fait. Attendez. On va régler ça ensemble. Fenêtre spécifique, Fallout 4, marche, sale fils de pute. On a tout pété. Voilà. Non, normalement, c'est pile la taille. Donc, je sais pas pourquoi ça fait ça. Le stream est hanté depuis le début. Parce que moi, je vois rien. J'ai la fenêtre en grand. J'ai la fenêtre en grand à côté et je vois pas ce truc là qui défile. Ça a l'air bon là, ouais. Ouais, parce que moi je l'ai pas donc. Ouais, ça a l'air bon. Impec. Bon bah écoute, voilà. Je sais pas, mais ça le faisait pas sur Fallout tout à l'heure, si? Sinon vous me l'auriez dit, bande de sale fils de pute. Half-Life, j'ai dit quoi? Fallout, j'ai encore dit Fallout, putain, à chaque fois. On le voyait pas, ah ouais. Bon alors, où est-ce qu'il est ce Red Rocket, là? C'est ça, un Red Rocket? Je me rends pas compte. T'as dit Fallout, ouais, mais à chaque fois, mec, à chaque fois, je me gourre. À chaque fois, je me gourre. C'est quoi, ça? Ah, des rats de scorpions. Tant pis pour vous, les gars. Chut. Couché, créature impie. Oh, putain, je passe pas avec mon armure. Parking garage. Attends, faut que je prenne un petit peu de hauteur pour voir si je peux pas spotter le Red Rocket. Montre à quoi il ressemble ton perso avec la MG42 en troisième personne. Voilà à quoi il ressemble en fait. By the power of German engineering, we will conquer the earth and the moon. Mon, ya. Cette zone est beaucoup trop oppressante. Ouais, j'aime beaucoup la Glowing Sea. Je pense que c'est une des parties les plus réussies de Fallout 4. Parce que tout le moment où t'es là, tu sais pas ce qui va t'arriver sur la gueule. Il y a des morts partout. C'est quoi ça là-bas par exemple, tu vois? Qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas envie de le visiter ça. Mais quelque part, t'es curieux. Il pourrait t'arriver des trucs. Il pourrait t'arriver... Oh! Un mec rigolo. C'est quoi ça? Tiens, fusion de corps. Je prends. Ah. Faut que je sorte de mon armure assistée pour prendre le fusion core pour re-rentrer dans mon armure assistée. Hop. Non, je veux juste le fusion core. La putain de sa mère, en fait, c'est moi qui me suis gouré de touche. Transfert. Fusion core, voilà.
C'est bon. Impeccable. Paradoxalement plus vide. Bah oui, mais c'est parce que c'est... Ça fait sens que ce soit vide. C'est vide, mais en même temps, mec, c'est pas si vide que ça. Et on va le voir dans quelques minutes. Alors, je sais que t'aimes les radiations, je sais que t'aimes la musique. Découvert grotte. Waouh. Waouh. Il essaie de nous dire quelque chose. C'est quoi ça là-bas? Ouh, un écorcheur encore. Allez, on va choper là. Je crois que je me suis fait choper. Ouh, yeah, moi de... Tiens, lui, ta mère. Ah ouais, Adoui, mais surpuissant. C'est une Red Rocket, ça? C'est pas Red Rocket, ça. Vol Skyline 1665. Qu'est-ce que c'est ici? Putain, qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est-ce qu'on est, là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a, Canigou? Qu'est-ce que t'as trouvé? Qu'est-ce qu'il y a, Blade Wolf? T'as trouvé quelque chose? Oh, t'as rien trouvé, c'est de la merde. Où est-ce qu'il est, le Red Rocket? Qu'est-ce que c'est là-bas, là? Tu vois? Ah non, c'est la... D'accord, c'est la civilisation, là-bas, là. Civilization, I'll stay right here. Le Red Rocket est au nord-ouest de ce crash d'avion, me semble. Ah, au nord-ouest du crash d'avion, donc par là-bas? Change un peu d'arme, ce jeu n'a aucun sens avec celle-là. Je sais pas. Non, je vais la garder encore un peu. Je vais la garder encore un peu. Tant qu'on est dans la Glowing Sea. Et qu'on va tout purifier par le feu divin de la MG42, si tu veux. De la machine Gewehr. Quarantine 13. Je pourrais parler allemand. Dégâts subis en raison... Ouais, mais je m'en fous de ça. La colonie. Un griffe mort à la cuillère. Griffe mort, tu dis, quoi, carrément? Écorcheur. Ils disent carrément écorcheur dans le truc, mais toi, tu dis griffe mort, quoi. C'est type Harry Potter, quoi. Bonjour. Ah, eh, loupé. Il est où? Il s'est barré? Je sais pas. C'est ça, le Red Rocket? Non, ça, c'est... Je crois que c'est la médecin, là-bas, là. Laisse mon chien, toi. Pas possible, ça. Manufacture de la famille O'Neill. Tu vois pas John Cena, mais lui, il t'observe. Tu crois qu'on le voit pas d'ici? On voit pas même une petite tête qui dépasse, là? Oh. Dis donc. Griffe mort, c'est l'un des Fallout originaux, j'ai pris l'habitude de les appeler ainsi. T'as bien raison, Binoc. T'as bien raison. Je vais les renommer en jeu, même. Ça fera pro gamer. Ça fera true gamer. Une putain de PPSH 41 dans F4. Tu crois que ça existe? Tu vas aller au bunker avec le CO de missile? Perso, j'y j'aime. Oula. Alors, je crois que c'est ici. Ah, il y a des ghouls. Les gars, c'est pas le moment. Attention, je vais sortir la vraie arme. Ça va chier, là. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, la machine? Qu'est-ce que c'est? Ouh, qu'est-ce que c'est, tout ça? Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est, tout ça? Alors, attends, on va tout prendre déjà ici. C'est qui, ce? Ah, il a mis tes merdes. Prends ça, saloperie. Et voilà, nique ta mère. Light Grieve of Cloaking. Oh cool, fais voir. Le champ de furtivité est créé quand vous faites toucher au corps à corps une fois toutes les 60 secondes. Ah, c'est bien de la merde, en fait. Cool. Super, cool. Blood can. What? Ok. By the name of the Emperor. Allez, Chain Sword. Ah, ça vous plaît, ça, bande de bourrinos, va. Bon, par contre, le problème, c'est que du coup, il y aura pas de jetpack là-dessus. Je sais, ouais, attends, on va voir. Et bah, moi, vous m'attraperez jamais! Allez, c'est Tipar. Alors, Marine, Mark 3, torso, est-ce qu'on peut changer?
Je sais pas si ça change vraiment quelque chose. Mar 1, ça fait quoi par exemple? Je sais pas, ça me met rien en fait. Non, c'est juste les stats. Ok. Est-ce que je peux foutre justement le jetpack là-dessus? Non, évidemment, j'ai pas de... Ouais, non, j'ai pas la possibilité, c'est pas grave. C'est un mode pack ou plusieurs modes? Ouh, non, non, j'ai... C'est des modes sélectionnés un par un qu'on m'a envoyé sur Discord. Oh, la chainsaw, mec. Fais voir. Demon Hammer, il fait 146 de dégâts, poteau. Celui-là, il va déconner vraiment qu'à moitié, je crois. Oh là 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 là. En plus, dans la Glowing Sea, quoi, c'est terrifiant. C'est Ypar. Allez, on continue. J'ai une érection de ouf. Ah, mais j'ai plus le jetpack, mec. Le marteau appelle le scadure. Ah, non, s'il veut un... Tiens. Si... Ah, par contre, ça fait un vieux bruit de batte. Oh, c'est tout pété. Ah non, s'il veut être dans le truc, il vient donner son nom. Hein. Mec, c'est terrifiant, regarde, avec la pluie et tout. Oh. C'est un Space Wolf, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout, c'est à toi de me dire. J'y connais rien, moi, donc c'est à vous de me dire. Hein. Oh là là là. Est-ce que c'est pas terrifiant ici, là, avec la pluie et tout, là? C'est bien foutu quand même, non? Faudrait que Fallout soit uniquement comme ça, en fait. Juste ça. Je crois que c'est juste une armure blanque. C'est la Bretagne. Ah bah non, ouais, on n'a pas autant de rayonnement radioactif quand même. Bon, avec le granit, un peu, j'admets, mais pas autant. Allez, je mange des radiations en boucle. Il aurait peut-être fallu que j'améliore un peu mon armure. Mais c'est pas grave. C'est quoi? C'est pas là qu'il y a la meuf, justement, la médecin, là? Cratère d'atomes. Voilà. Je veux pas y aller tout de suite, hein, si ça vous dérange pas. Bonjour. Mais c'est qui, vous? Qu'est-ce que vous foutez? La gloire d'atomes s'étendra à nouveau sur... Non, je crois pas, non. Et Lyon. Incroyable, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu fais, mon pauvre? Qu'est-ce que vous faites? Attendez, je vais vous purifier, les gars. C'est où? C'est là. Où ça? Je vois rien. Vous avez de la chance que je vois rien. Hein. Ils sont où, les autres? Ah, là-bas. Vous avez remarqué que vous ne me faites aucun dégât? Est-ce que c'est pas franchement marrant? Mec, c'est comme du beurre, hein. Ça se coupe comme du beurre. Bon, j'espère que Virgil, il va pas péter, que j'ai éclaté tous ses potes. Regarde-moi ça. Ok. Ah. Et bah voilà, écoute, y'a même pas besoin de lire. Putain, ça fait chier, tu vois, j'aurais eu le jetpack ici, ça aurait été tranquille. Y'a pas un... Arrête de lâcher des caisses. Y'a pas un truc pour modifier les armes ici, là? Je ne crois pas. Au pire, tu lui dis pas, tu lui laisses la surprise. Ah, j'espère que les jeunes que j'ai réussi à recueillir, qui étaient des criminels avant et que j'en ai fait des religieux parfaitement honnêtes et légaux, j'espère qu'ils vont bien. J'irai les voir tout à l'heure. Ah, sympa, l'eau qui disparaît intégralement. Même dans... Comment, anomalie que nous a streamé Adwim hier, l'eau partait de façon plus agréable. Ah, elle est reviendue. Quel jeu de merde. Y'a pas moyen de la tenir. Genre... C'est dommage, ça. Monde, ya. Comme la Dragon Slayer de Guts. Ouais, mais avec une tronçonneuse en plus dessus. Parce que c'était pas suffisant. Darion fonceur. De quoi? De quoi cette merde? Qu'est-ce que c'était que cette connerie? Stingwing, vous appelez ça Darion en français? Mais c'est quoi, ton pété? Attention là-bas, le Darion fonceur. Il va nous enfoncer. Ouh. Guts.
Ok. Traverser ça. C'est chiant. Faut que j'améliore vite et que je foute le jetpack dessus. Je ferai ça hors stream parce que c'est un peu chiant à faire. Mais ouais, faut que je fasse ça sur cette armure aussi là. Et que je l'améliore de ouf. Qu'on soit encore plus immense. Ouh. Il dort le petit Kiki. Il est où, Chubby? Merde, j'ai pas de missile. Oh la connerie. Bon bah, Spider alors. Ou alors. Ouais, non, Spider, ça va être bien. Ok. Attention! J'adore ce truc. On voit toujours pas de... Non, on voit toujours pas de... John Cena, non. C'est décevant. Attention au danger du Wasteland que sont les morts griffus, les Darion et les Radiodar. Les Radiodar. Oh l'horreur. Ça va au niveau du son, c'est pas trop fort. Tiens, si je buvais un peu de citronnade. J'adore. Ah, ça pique. Oh. Ah. Et ça me pique la tête. Ok. Bonsoir. Je passe. Si t'as envie de tirer, tu tires, mais t'as intérêt à pas louper parce que moi je te louperai pas. T'as pas des trucs pour faire des armes, toi? Atelier de chimie, hein, c'est de la merde tout ça là. De quoi? Il va me tomber dessus pendant que vous faites. Je ne suis pas bête. Trop classe, mon gars. Calmez-vous. Kellogg est mort. Mort. Il est mort. On voit même pas l'autre con. Je lui ai mis une roquette dans la gueule et ça l'a oblitéré, mec. Je l'ai tué moi-même. Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Si vous dites la vérité, alors vous devez comprendre que je suis J'en ai marre. Kellogg était impitoyable. C'est bien pour ça que l'Institut l'a employé toutes ces années pour faire son sale boulot. Je savais qu'il l'enverrait m'éliminer. J'ai essayé de m'y préparer, mais je n'étais même pas sûr de pouvoir m'en sortir. Et donc, j'ai laissé une série de tout petits pets comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux me téléporter. Pourquoi vous avez quitté l'Institut? Je sais que vous travaillez là-bas. Vous savez que je me suis enfui. Merde, échec. Non. Ça, qu'est-ce que vous faites là d'abord? Bien. Là. J'ai besoin de tout ce que vous pourrez me dire. Tout ce qui pourrait m'aider à pénétrer dans l'Institut. Je vous demande pardon. Vous voulez entrer dans l'Institut? Vous avez perdu la tête. Admettons que ce soit possible. Mec. Même si vous réussissez. Je vais faire un tel massacre à l'Institut. Que vous ayez le temps de faire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à... Ah mais après, non mais attends, c'est pas tout de suite en fait. Parce qu'il faut qu'on... Oui. La dernière fois avec les copains, on a essayé de savoir si j'étais loin ou quoi de la fin. Mais il faut quand même qu'on passe par la railroad, je crois, non? Vas-y, hate sins. I hate sins. I enjoy killing. But I want something in return. Vas-y. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Avant de prendre la fuite. J'adore quand il a le, quand il est retourné comme ça. De guérir mon état, je n'ai pas pu l'emporter. Un sérum. Il est toujours dans mon labo et... Enfin, regardez-moi, j'en ai besoin. Bon, je trouve pas forcément. Vous me le rapportiez, un petit côté Jolassin, comme ça. Surtout au niveau des yeux. Allez. Je vais y réfléchir. J'ai besoin d'une rép... Oui, allez. Très bien. D'accord. Ok. Avant tout, comment les synthétiques... Oui, il se téléporte. Ouais. Tiens. On appelle ça un relais moléculaire. Ta gueule. Le système vous ta gueule. Ce relais est le seul moyen. Ta gueule. Veut donc dire ta gueule. Ensuite. Ta gueule. Oui. Ouais. Un bon paquet. Ne vous foutez pas. Les chasseurs de l'Institut, poteau. Si vous en aviez vu plus d'un, vous ne seriez pas devant moi. Pardon? Les chasseurs sont des synthétiques de l'Institut conçus dans un... Mais mec, mais je sais, mais je les décalis par paquet de 10, tu sais qui je suis, moi? Ils sont extrêmement... D'accord. Je suppose que votre... Les chasseurs sont dotés d'un composant spécifique. Ouais. Il est intégré à une puce. Par contre, je ne sais pas trop où vous pourrez en trouver. Il va falloir que vous en traquiez un. Bien. D'accord. C'est parti. Bien. Voilà. Le principal des chasseurs se trouve dans les ruines du CIG. Un petit côté Bruce Willis au niveau de la coupe de cheveux. C'est vrai qu'un... Vous devez aller. Le relais propre. Une fois dans les... Il y a un air de famille. Suivez le signal.
Il vous mènera. Ouais, allez, c'est bon, on va tout éclater de toute façon, on s'en bat les couilles. T'as rien que je peux voler là? Enfin, que je peux t'emprunter? Ah, toi aussi t'aimes bien Matchaman Randy Savage? Ouais, je comprends. Oh, une boisson, un sandwich. C'est à moi maintenant. C'est à Madame Poubelle maintenant. Oh putain, une petite. Une petite statuette de Mr. Andy. Dis-moi oui. Allez, on se casse. Ta gueule. Bande de merde. Je crois que cette armure, elle me rend hostile en fait. Je pars deux minutes, c'est devenu un space marine, bordel, mais what? Mais ça va vite, Fallout 4, mec. Faut que tu te rendes compte aussi. Bon, du coup, il faut qu'on aille chasser un chasseur, en fait. Avec un fusil. On peut se taper directement d'ici. Parce que, en plus, j'imagine que c'est assez loin. Je crois qu'il faut aller en centre-ville de Boston pour ça. Mais attends, parce qu'en fait, je crois qu'au Red Rocket... Parce que là, c'était pas la Red Rocket. Là, on était juste... Dans un coin en fait où on a trouvé l'armure, mais je crois qu'il y a vraiment un Red Rocket dans la Glowing Sea où on peut trouver encore autre chose. Il y a encore d'autres armures là-bas. Il faut qu'on cherche. Quelqu'un peut essayer de voir sur une carte où il est vraiment le Red Rocket. Parce qu'il y a vraiment d'autres choses dedans. Écoutez la station radio féminine Nuka-Cola. Ben, je crois que c'est pour un DLC ça d'ailleurs. Alors attends, est-ce que ça peut être là? Y a pas l'armure de l'enclave dans le Wasteland. Ben, notamment, ouais. T'es trop au sud, Ruru. D'accord, il faut que je remonte encore. Ça doit être derrière encore, là-bas, là, derrière la colline. Alors. D'accord, je regarde pas, mais bien joué, Ruru. Connard. Allez, Spider, protège-moi, Spider. Créature de la nuit. De la vie et du mal. Je crois qu'il est à moitié enterré en plus, si je me souviens bien, le Red Rocket. Il est tout pété et à moitié enterré. C'est quoi ça là-bas? Non, c'est bon. Putain, j'ai l'habitude du coup d'appuyer sur majuscule. Arrête de lâcher les caisses! J'ai l'habitude d'appuyer sur majuscule quand je vise. Discord. Ah. Chubby m'a envoyé le plan. J'espère que tu m'as pas envoyé une photo de toi et de ta bite. Ah. Cave. Ah, ça s'appelle Cave. Ah, d'accord, je suis carrément beaucoup trop au sud en fait. Donc ça doit être. Au niveau de... Attends, Skibidi... Au niveau de là, en fait. Non, au niveau de là. Très exactement. Je crois... Attends, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et Y. Normalement, c'est là. Voilà. Normalement, c'est là-bas. Merci beaucoup, Chubs. Non, merci. Je suis très peu intéressé par vos produits. Putain, le gros gantelet ultra rouillé, mec. J'adore. Ah. J'entends un cri familier. Ouh, yeah. Il est où? Mais il est où? Mais il est fou. Bon, bah, tant pis. C'est quoi, ça? C'est un truc, ça. C'est quoi, ici? J'adore. Franchement, j'adore vraiment trop me balader dans la Glowing Sea. C'est super oppressant. Il y a une espèce de soleil faiblard, mais t'as l'impression que tu t'y balades deux minutes, tu chopes tous les types de cancers du monde. C'est quoi? Il s'est barré? Ah. Putain, mais il est super rapide. He's fast. Ok. Ça, c'est quoi? Une petite usine? Ça, c'est un environnement post-apo. Ah bah oui, carrément. Ah bah c'est pas Fallout 76 quoi. Y'a une Glowing Sea dans Fallout 76 ou quoi? C'est quoi? Pourquoi y'a plein de marques? Pourquoi y'a plein de marques rouges? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi y'a plein de marques rouges? C'est quoi tout ce bordel? Ah. Oh. Oh le flip. Vas-y, j'y vais. Oh. Eh. C'est quoi? C'est bon, c'est mort. Ok. C'est con, tu vois, parce que avoir une Glowing Sea dans Fallout 76, ça aurait été super intéressant. De devoir survivre là-bas et tout, ça aurait été cool. Mais bon, on peut pas trop leur demander d'avoir des bonnes idées non plus, quoi. Tiens, on va prendre un petit peu... Non, pas B44, on va prendre un petit peu, Lysander.
On va tester ça un peu plus agréablement. Bacitracine. C'est de la drogue, ça, la bacitracine, non? Acétaminophène. Oula, ça aussi. Oula, là, 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 je suis en train de trouver plein de gueudros, poteau. Bonsoir. Je suis pas très bien ici, là. J'ai du calibre 50, alors vous en rapprochez pas trop. Tiens. Comment je l'ai calmé? Qu'est-ce qu'il y a? Putain, le Space Marine avec un Mauser. Calibre 50. C'est bon, il habitait tout, là? Mon gars, mon Klebs, il a tellement pas besoin de moi. Dans Fallout New Vegas, j'avais rajouté un mode qui faisait spawn des tempêtes nucléaires ou des tempêtes de sable dans différents endroits. C'était aléatoire, ça changeait bien l'ambiance. Ça doit être vraiment très stylé, ouais. Je dois admettre. Ça doit être impressionnant, ouais. Aouh. Il m'a mis un coup de patte dans mon armure blindée. Ouyouyouy. Qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. C'est de m'avoir... Reste par terre. Trop baisé. Ouh. Aïe, 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 j'ai le trou du cul qui baille. Il fallait pas tant te faire enculer. Putain, mais mon chien, il est beaucoup trop puissant, go. Tu vois, je peux passer ici. Ah oui, je peux passer ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai gagné un niveau aussi, il faudra que je le foute. Putain, je vois rien, je sais pas où je suis. Fierté française. Quoi, t'aimes pas la poésie, espèce de PD? C'est bien les PD qui aiment pas la poésie, hein. Les gitons. Comme il dit Jean-Guy dans Caméra Café. Vous savez ce que c'est un giton? Un giton, c'est une vieille expression française. Et c'est un jeune homme. Un jeune homme qui traîne avec un autre homme plus vieux, tu vois. Et qui reçoit des cadeaux de la part de ce vieil, enfin, cet homme plus âgé, tu vois. C'est un genre de gigolo, mais homo, tu vois ce que je veux dire? Un giton. Un giton et une grosse. Ouais, et en plus, mec, c'est pas dans Caméra Café, c'est dans le film Le Séminaire. Donc, voilà. Tu te calmes. C'est ici, apparemment. Non, je peux pas taper, voilà. Non, laisse-moi passer. Bon, bah, tant pis. Mais non, je veux pas passer par là, moi. Je vais me faire irradier le pied et je vais avoir une troisième jambe. Déjà que... Mes voisins, c'est des gitons. Ils jouent de la guitare le soir, des fois. Faut pas dire enculé, c'est homophobe. C'est une femme, l'une de vos femmes politiques qui l'a dit. Femme politique. Rien besoin de dire, pote. C'est ici? Le Red Rocket? C'est bien là? Je sais pas si c'est bien là. Oui, c'est pas Marlène Schiappa qui a dit ça en plus. C'est un peu une vanne, hein. Oh, oh, nous y voilà. Le Red Rocket... Merde. Putain, c'est chiant, ça. Tu vois, c'est ça le problème du Mauser. C'est qu'il tire pas assez de balles à la minute. Putain, mais mec, mon chien, il est passé. Il lui a fait une okutodoken. Bah, vas-y, finis-le. Mon Klebs, il fait tout le boulot. Si on avait des femmes politiques en France, on serait quand même au courant. Ça saurait, quand même. Je connais pas vos Pokémon. Marlène Scapé. Les gars. Oh. 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 Là, d'accord. Là, d'accord. Non, parce que les Space Marines, voilà. Tout ça, c'est bien mignon. Mais la Power Armor X02. Ça, mon gars. Ça ouvre quoi, ça? A priori rien. Une grenade frag. Ah si, remarque le radeau, ouais, faut que je le prenne aussi. What is love? C'est pas ma fave de l'enclave. Ah ouais, d'où c'est pas ta fave de l'enclave? C'est pas ma fave de l'enclave. Fave la rage. Enclave la rage. Tin can, faut que je prenne ça aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? T'as foutu la X03. Je crois que... Je sais pas si j'ai la X03, mec. Je crois que j'ai l'original, celle qui est dans Fallout 1. Sur la couverture. Mais je sais pas sinon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend la X02 ou est-ce qu'on garde la tenue de Space Marine?
Oh putain. Oh le truc, on dirait Batman à côté en plus quoi. Je vais faire un clip 3 secondes à mater en boucle, croyez-moi le sopalin sera mon copain, trop tard. Hé, copain. Et j'aime bien ton armure. Prends des pièces au pire. T'as raison. Putain, mais heureusement que t'es là, Calamite. Je vais prendre des pièces. Je vais prendre tout ça. Vous pouvez pas courir. Bah les couilles. Pourquoi j'aurais besoin de courir? Tu me prends pour un Français. Est-ce que tu crois que ça veut dire France? Garde la Space Marine et prends les boules de la X-02 sur toi. Ouais, d'accord, ouais. Yes, on va faire ça. Faudrait que je trouve d'autres... comment on dit? D'autres... merde. Bah, tu sais quoi? Je vais poser celle-là, là-bas. Cette armure... Cette armure-là. Oh, putain. Ça, c'est beaucoup trop cool. Ce que j'ai toujours aimé chez les Space Marines, c'est qu'ils ont tous des... des super... comment... Pas de def. C'est très années 70 et j'aime bien. I came here to conquer. Est-ce que ça rend bien avec le Demon Hammer dans les mains? Putain, c'est chiant que ce soit un jeu d'action, qu'on puisse pas tourner notre caméra comme on veut là. Le Power Armor Space Marine avec Dom Metal, c'est ultra cool. Donc, ce que je vais faire, j'arrête pas de lâcher les caisses, je vais me TP jusque là, à Sanctuary. Je vais poser cette Power Armor, je vais retourner ici dans la Glowing Sea, récupérer mon ancienne. J'ai cru que j'avais crashé, mais non, c'est parce que je me suis pas téléporté. On va juste faire une sauvegarde rapide avant parce que ça va me faire chier. Passe ton level et augmente ta capacité de stockage. Non, non, ça sert à rien, mec, ça sert à rien la capacité de stockage. Putain, il y a des ennemis à proximité, c'est pour ça? Ah, mais oui! Ah, les mouches à coups de marteau! C'est vrai que je peux pas courir. Bon, attends, je peux pas courir, je vais prendre la Dwim parce que sinon ça va être long. Il est où? La Dwim! Attention, ça va arroser les copains là. La 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 la. La la la. Impeccable. T'imagines, t'as dit qu'il y a un pélo en slibard avec un chapeau de cuisinier de se balader dans la Glowing Sea, il revient avec une Power Armor de Space Marine. Il revient avec une Power Armor de Space Marine, il a buté une dizaine de Deathclaw, et il revient avec un Gundam. Allez. Vous portez trop de choses, vous pouvez pas voyager rapidement? Mais fous-toi de ma gueule! C'est quoi cette merde? Non, 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 mais je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, là. Alors là... Alors là... Comment je m'en fous? Non, c'est même pas ça, c'est... Ouais, c'est ça. Bah, mais c'est complètement con! Vas-y, je t'encule. Hop. Pff. Comme si j'en avais quelque chose à foutre. Ouh, putain, je me suis pété les doigts, mon gars. Ok. Un petit peu de citronnade? Allez. Vous en voulez? Ah. Et... Ah, ça pique de ouf! Ce serait drôle un mode qui fait que Owen Wilson dise wow à chaque level up! Wow! Mais ce sera toujours mieux que le oh yeah! À chaque fois que tu passes un point d'XP quoi. Ok, alors. On fait ça. Je prends pas de ton jus, je suis pas pédé. Oh, mais tout de suite! Putain, mais mec, on est au-delà de ça! Wow! Wow! Alors, où est-ce que je pourrais trouver une autre tenue? On a croisé une tout à l'heure de tenue. Où est-ce qu'on l'avait croisée? On a croisé une autre tenue. C'était où? C'était dans le vol? Non. Usine détruite? Bordure de la mer luminescente? Dans la grotte de la Glowing Sea. Ah oui, c'était... C'était celle-là, du coup, c'était la vraie grotte. Ouais, ok. Non, je vais aller récupérer celle-là avant, je vais lui foutre les parties de X-02 dessus. Et ensuite, on va la ramener celle-là, et on va ramener ensuite la Gundam. Ouais, non mais écoute, moi je suis chaud de ouf. Allez, t'es là-dedans, là. Je suis habillé pour la Glowing Sea. C'est vrai que ses yeux, ils brillent, en fait. Elle était où? Je marche pieds nus là-dedans, poteau.
Tu veux pas faire des présentoirs d'armure? Eh, alors tu vas te calmer déjà? On va se l'étendre tout de suite. Tac, et on va en faire une X-02. Voilà, le truc, le reste du Raider, on s'en bat les couilles. Voilà. On rentre là-dedans. C'est ça, fous des fusion core si tu veux, on s'en fout. Non mais c'est gentiment dit. Alors on enlève le mode, le god mode, on s'en bat les couilles, on n'a pas besoin de ça. Mais ah oui, ça existe vraiment des présentoirs à Power Armor. Mais c'est juste des comment? Des stations de modification de Power Armor en fait, les présentoirs, non? Où il y a vraiment des vrais présentoirs décoratifs. Le meilleur présentoir d'armure, c'est lui. Il y a ça dans le DLC. Ah! Mais est-ce que je vais les avoir débloqués du coup? Pourquoi il y a des gens qui ont pété le truc? Pourquoi pas? T'as des vrais présentoirs, ok. Mais j'ai tous les DLC, donc j'imagine que... Je sais pas si je vais l'avoir direct. S'il y a pas de quête à faire, alors ouais, je vais l'avoir direct. Avec des projecteurs et tout, putain, trop stylé, mec. Ok, c'est vrai que j'ai une jambe pétée. Hop, on va la foutre à côté ici. Yes. Impeccable, on va avoir un petit parking, poteau. Pourquoi je cours pas, là? Pourquoi je cours pas? Qu'est-ce qui se passe? Je suis plein? 302 sur 300? Pourquoi? J'ai peut-être beaucoup de trucs. J'ai peut-être beaucoup de, ouais, de marteaux et tout. Attends. En plus, le mec qui sort la MG42 avec le symbole de la Wehrmacht, j'en peux plus à chaque fois, quoi. Attends, je vais balancer quelques armes là-dedans. Chainsword, machin. On en fera peut-être des vraies armes après. Enfin, des vraies armes. Des armes à nous, quoi, tu vois ce que je veux dire? J'ai quoi qui... Oh putain, c'est tous mes mods aussi, mec. Faut que je balance tous mes mods. On s'en fout des mods. Au pire, on les revendra plus tard. Voilà. Qu'est-ce que j'ai qui pèse lourd encore? Ça, c'est quoi? Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Mais c'est quoi qui pesait autant? Ah, c'est ça, peut-être. Ah oui, c'est vrai que ça pesait beaucoup, ouais. Et j'ai beaucoup d'armes aussi, hein. No commies allowed, c'est ma déco favorite. Mais revends tout tes mods. Je vais arrêter immédiatement ce que je fais pour vous parler. Ou pas, fichez-moi la paix. Excusez-moi. Je préfère pas. Non mais attends, mais mec, pour qui est-ce pris elle? Marcy Long? Quelle grosse pute. Elle est chez moi en plus, mec. Elle est chez WAM. Je crois que le jeu a planté. Non, ou alors il recharge la partie? Il recharge la map? Ah! 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 Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais... Mais cassez-vous de chez moi! Mais mec, c'est catastrophique. J'ai aussi une MP40, mais elle est chiante, ouais. Bon, cassez-vous. Franchement, tu vas la bouffer. Hein. Tu vas la bouffer. Hein. Tu vas la... Putain. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, on va récupérer notre troisième armure que j'ai laissée là, bah, dans le Connemara. Ghoul Infested Shack, yes. Elle t'a tellement manqué de respect que ça a planté le jeu. Marcy Long de pute. Les flashbacks du stream Minecraft. Mais ouais, mais je peux pas, à chaque fois, il y a des gens qui viennent chez moi. C'est à quoi on a joué aussi récemment? Ah non, c'est quand j'ai fait... Non, c'était sur quoi? Il y a encore tout le monde qui venait chez moi me faire chier. Je sais pas ce qu'il y a avec ça, mec. C'est impossible de pouvoir rester tranquille. C'est impossible de pouvoir rester tranquille. Ok. Alors. Mec, t'as trouvé quelque chose, ça s'appelle une pop. Ah, elle est là. Oh, 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 putain, je croyais qu'il n'y avait plus rien. Je croyais qu'il y avait un mec qui était venu ici pour piquer ma Power Armor. J'ai balisé. Attends, c'est quoi la Blood Can, là? On peut repeindre le truc de peinture de sang. C'est beaucoup trop classe. Par contre, avec ça, voilà, avec ça, j'ai quand même le putain... Le jetpack, en plus, il est super stylé. Regarde. La la la. Ok. Je crois que je peux pas me TP quand je suis en l'air. C'est ça qu'il va me dire. Et voilà. Oh putain. Le super hero landing, tu l'as vu? Attends. Évidemment, il a lâché une caisse en l'air. Mais... La sorde. Mais je l'ai pas pris la sorde.
Elle est encore là? Ah oui! Power Sword! Oh la vache! Faut voir? Pas beaucoup de dégâts, mais. On va voir si on peut. On va voir si on peut la modifier, la Power Sword. Ça me ferait plaisir. Comment t'as tout gâché? C'est pas moi, c'est lui qui lâche des caisses là! C'est impossible! Il a le syndrome du côlon irritable, ok? C'est pas de sa faute! C'est à force de boire du lait! Il n'existerait pas un mode Power Armor Pacific Rim? Si, on l'a déjà montré, Binocle. On a déjà montré l'armure avec Gypsy Avenger. Et non pas Gypsy Avenger! Eh oui! Ouais, mais moi dans Minecraft, j'étais pas un squatter d'abord. C'est vrai que t'étais pas un squatter. Tu nous as aidé à construire les trucs, Arthérus. Ça, c'était bien. T'as un bel homme et tu sens bon. Ton odeur! Tu veux manquer? Attends, faut que je ramène un peu mon clavier parce que c'est n'importe quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut modifier cette Power Sword? Power Sword! Attends, je crois qu'on peut pas utiliser l'établi d'armes quand on est dans une putain de. Évidemment, de Power Armor. Oh, c'est super clair. Regarde-moi ce parking, poteau! Et si je trouve encore une autre truc. Enfin, une autre frame, je ferai une autre armure. Bah, elle est même pas là! Donc la Power Sword, elle apparaît même pas dans le menu, quoi! Bah. Mais c'est pas dans ça, mec! Un truc que je comprends pas, pourquoi il n'y a pas de ghoul bloqué dans les Power Armor? J'en ai pas mal dans le Wasteland, mais il n'y a pas de mob dedans à part l'enclave et la confrérie de l'acier. Bah, c'est vrai, ce serait stylé en plus d'avoir des Power Armor infestés par les ghouls. Ce serait vraiment cool. Ok, alors voyons voir. C'est quoi les trucs de décoration? Je rate juste ça. Je rate juste les... exposition, présentoir, armure assistée. Oh là là, mec, ça coûte cher à faire. Ah, merde, non, il me manque juste des vis. Il manque littéralement juste des vis pour le faire, d'accord. Ok, je vois. Je vois, je vois. Oh, c'est cool. Bon, de toute façon, on va pas partir avec une Power Armor. On a fait tout ça pour que... à la place, il faut qu'on aille... chasser des saloperies de trucs, ça là. Faut qu'on aille chasser ça. Rendez-vous au kit. Attends, tu sais quoi? Merde, j'aurais voulu poser la Power Armor. Oh, il y a Conan en blond. En fait, New Vegas, il y avait un DLC où tu avais des Maccabées coincés dans des armures énergétiques qui attaquaient Blue Shift. Je crois que c'était le DLC. Fallout New Vegas Blue Shift? De quoi? J'ai jamais entendu parler de ça. Fallout New Vegas Blue Shift? C'est pas toi qui confonds avec Half-Life? Les fichiers sont au mauvais endroit au mauvais moment, ouais, fait chier. Ah, Old World Blues. Old World Blues. J'y crois pas. Pardon? Pardon? Attends, qui c'est qui parle là? Qui c'est qui parle? Ça m'énerve. Quoi, j'y crois pas? Qu'est-ce que tu fais, espèce de PD, va? Il est où l'autre? Il est où, lui? Ça va? Bah oui, mais mec, tu... Oh, le tranchage de tête! Tching! Beaucoup trop propre. Beaucoup trop propre pour le perso que je joue. Tching! Mec, mais oui, mais Hoffman, il revient maintenant alors qu'on n'a pas arrêté de jouir sur les trucs de Warhammer, quoi. Le mec, il est vraiment pas le timing. Pire que Ludo. Hein. Attends, il faut que je prenne du Radaway un peu, là. Voilà, ça va suffire. Et un petit coup de steampack. C'est Old World Blues, les armures c'est juste des traumas harness qui ont eu l'effet secondaire d'être toujours actifs et histoire même... et histol. Même si leur utilisateur est mort. C'est super stylé ça. C'est classe. Pourquoi j'en mange une par ricochet? Parce que ta gueule. Ruine du CIT. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, signal du chasseur. Tu vois? Bloop. Blip. Bloop. Ah. Ah. Ouais, enfin, il va être dedans, quoi. Non? Non, il est plus vers la droite, il est plus vers là-bas. Je sais pas s'il va être dedans ou dehors. Attends, on va voir. Oula, je prends des rades, c'est quoi? Ah, il est là-bas en fait, il est là-bas.
Attends, où ça? Il est où John Cena? Ok, attends, pas tout de suite, pas tout de suite. Tu crois qu'il va m'enculer, le chasseur? Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui était sataniste. Salut les cocos! Alors, pierre légendaire? Montre-moi ça! Bah alors! Bah alors, qu'est-ce que tu fais toi? Bah alors! C'est qui? T'en veux aussi toi? Bonsoir! Il est invincible! Enfin quelqu'un qui a compris quoi! Et allez, je lâche tes caisses en même temps pour leur montrer que j'ai pas peur! Aïe! Ah ouais! T'as de la chance que je sais pas comment on monte parce que sinon je t'aurais enculé, mec! Putain, comment on monte? Ah, c'est l'autre côté non? Faut monter par l'autre côté? Attends, je vais aller le défoncer lui, mais juste lui! Parce qu'il m'énerve! Y'a pas plus fort que Kellogg, mais t'as plus de missiles! Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'en rachète, j'ai oublié! Excuse-moi, oh! J'adore, mec! Y'a rien de plus joli qu'une belle décapitation! Y'en a un qui a dit qu'il sent ça, ça sent la peur! Ouais! J'arrête pas de lâcher les caisses depuis tout à l'heure! Ce matin, un lapin a lâché une caisse contre des pillards. Alors. Pas vraiment, non? Oh, reviens! Je mets. Attends, je vais te laisser réfléchir, toi. Oh, bien joué, mon chien! Tu veux où? On peut en parler? Non! Je suis désolé, mon chien, il a beaucoup moins d'humour que moi. Oh mec, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu quand il est modé, parce qu'on peut faire le con. Ah putain. Oubliez pas, hein, si jamais vous avez des bons mods qui foutent pas trop la merde et que vous voulez que je montre en live, envoyez-les moi en privé sur Discord, il y a pas de problème, je pourrais les installer. Enfin, on verra, mais normalement je peux les installer. D'ailleurs, normalement sur la map, il y a un Deathclaw gigantesque qui nous attend et qui peut pop à n'importe quel moment, mais pour l'instant, on a eu de la chance, on l'a pas encore croisé, mais ouais, on a ça normalement. Donc ouais, le temps de chargement pour revenir sur la map est toujours ultra long. Il est où John Cena du coup? Bah il est dans le ciel. Tout là-haut avec Yannick Noah. Et Aristide Bruant. Bonsoir! Allez, charge là! Putain, c'est de pire en pire, mec. Hein. Et je peux même pas l'installer sur SSD parce que Steam ne veut pas que j'installe quelque chose sur SSD. Il dit ouais, ton disque dur il est read-only. Alors que pas du tout. Donc voilà, il va falloir que j'achète un nouveau SSD. Pour foutre uniquement des jeux dessus. Mais on fera ça plus tard parce que déjà Borderlands 3 ça nous a coûté la peau du cul. D'ailleurs, vendredi prochain, hein, Borderlands 3, stream de 24h. Oula, attends. Mais je suis venu exprès pour le mec, il est pas là. Mec, je vois rien en plus. Ça, ok. De 24h, on va essayer de tenir 24h. On va tenter. Suffit que tu donnes les droits Steam à ton SSD. J'ai essayé tout, mec. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de changer les options sur mon disque dur. J'ai essayé plein de trucs. Ça a jamais marché, mec. C'est par là? C'est par là. Non. Non. Ah, putain, ma jambe. Non. Eh, c'est pas possible. Ça rend de la merde, ce coin. Mec, on voit rien. Il est là-dedans, là. Non. Ah, ça augmente bien là. Il doit être dans le coin là. Ouais. Je le sens. Ça sent la chatte. Crost.
Green Tech Genetics. Ah, il est ici, c'est ça, il est à Green Tech. Je vois. D'accord. Trop facile. J'attends le replay de 24 heures sur YouTube. Mon gars, va falloir que je fasse de la place sur mon disque dur parce que putain, là j'avoue que le recording, l'upload mon gars, putain l'upload il va être tellement balèze. Je pense que je l'enregistrerai pas ce stream là. Je pense que on va partir sur un stream qui sera uniquement sur Twitch, enfin qui sera uploadé à partir de Twitch et non pas à partir de mon disque dur parce que là ça va pas le faire. 24 heures de de recording, 8 mégabits par seconde, ça va être compliqué. Le challenge méga forge, 24 heures de stream totalement bourré. Bon, déjà que streamer d'habitude. Ok, alors, où est-ce qu'on en est? T'es un chasseur, toi? T'es pas un chasseur du tout, toi? Milk. Oh, good milk. I like milk. Oh, c'est vrai, attends, il fait. Ouh, j'ai 3 niveaux à foutre. Alors. Tiens, on va foutre de la résistance aux dégâts. On va foutre. Je crois qu'il nous fallait du scientifique en plus, non? Tiens, regarde ce qu'on va faire. Scientifique, un rang en plus. Un. 10 de résistance aux radiations. La résistance aux rades, ça peut être pas mal aussi. Hein. Risque de développer une dépendance à la drogue. Bah non, c'est ça qui est drôle. Santé maximum. Vous recevez moins de radiation quand vous buvez ou mangez, je sais pas. Ouais, un truc anti-rad, je pense que c'est pas mal. Parce que c'est vrai que ça me fait un peu chier en ce moment, les radiations. Ok. Allez, c'est tipa. Par contre, la radio, tu vas fermer ta gueule, mais tout de suite. Voilà. Tiens, on va foutre ça à la place. C'est quoi? Ça, j'aime trop, par contre. Ça, c'est trop bien, ça, comme radio, mec. Pourquoi ça existe plus, là? Pourquoi maintenant, on a Iggy Azalea qui monte son cul? Ça me terrifie. Je suis désolé, ça me terrifie. Alors, oula, oulala, oulala. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que vous foutez, les cons? Bon, attends. Oh. Arrête de lâcher les caisses. Arrête de lâcher les caisses. Tu vois, normalement, cette armure... On va tester un truc. On va tester un truc avec cette armure-là. J'ai envie de tester un truc quand on va rentrer. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, ça va. Tu vas morfler. Tu crois? Le chasseur est au deuxième maintenant. On dit qu'il y a un deuxième intrus dans l'aile. Putain. Mec, c'est dégueulasse. Hein. Les pauvres, ils ont vraiment aucune chance. Hein. Si ils ont une chance, une seule chance, c'est de me balancer des grenades et des mines et des trucs comme ça. Parce que ça, à chaque fois, j'ai eu du mal. Ça va? Vas-y, mute. Voilà. Je prends les déguisements, enfin pas les déguisements, les armures et tout légendaires uniquement parce que quand je pourrai les revendre, ça fera énormément de thunes. Mais sinon le reste m'en bat les couilles. Oula 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 oula. Oula. Bonsoir les mecs. Non je suis là les gars. Bah oui mais bon. Ah ouais. Ouais mais les gars. Raider Katana. C'est quoi ça? Raider Katana. Attends, il y a des katanas. Mec, s'il y a des katanas, c'est trop un truc de fou. Oh! Oh my wamo! Sweet! T'as vu ça, mec? Sweet! Juste retirer sa tête du reste. Et c'est quoi ce bordel dehors, là? Qu'est-ce que vous foutez? C'est fini? Tu vois, là eux ils ont compris. Tu vas morfler. Hey. Va chercher. Il s'est passé quoi? C'était quoi, mec? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez pas me chercher. Ta gueule. Tu crois que c'est un griffe mort géant qui attaque le bâtiment là? Non, ça m'étonnerait.
Je pense pas, y a pas de choses qui attaquent de dehors comme ça. Je pense que c'est non, c'est juste que ça part en couille parce que toutes les tourelles sont activées en fait. C'était une roquette. C'est quoi, y'a une tourelle roquette? Putain, mais ils sont cons. Enfin, ils sont cons. Ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres, mais arrête, tu m'énerves. J'aime pas ta position, voilà. Vas-y, tire-moi dessus. Ça doit être terrifiant. Ça doit être vraiment terrifiant, quoi. Alors, elle a marché sur les mines comme elle a voulu, y'a pas de problème. On a paumé le katana. Bah ouais, bah du coup, ouais. Mais du coup, s'il y avait ce katana... Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? S'il y avait ce katana, c'est qu'il doit y avoir plein d'autres katanas en fait à vendre. Faudrait que j'aille voir si même on peut pas les crafter. Vu que je suis passé niveau 30, je pense que ça a commencé à faire spawn du coup les katanas dans ma partie en fait. Donc je pense que c'est pour ça. Vas-y, file-moi Adwim. Vas-y, on va avancer un peu avec Adwim. Et aussi du steampack, vas-y. Sauve-moi un peu. Voilà. Ça c'est bien que ça. Ça c'est fort bien. Ok, et du coup c'est quoi qui m'a éclaté tout à l'heure là? Non, ça c'était pas une mine. Bah y'a rien. Bah non, c'est pas ça qui m'a tué. C'est pas ça qui m'a tué tout à l'heure, c'était quoi? C'est où? Mais c'est où que ça me tire dessus? C'est pas possible. Ah, c'est toi! Bah fallait dire. Bon bah c'est bon. Non, y avait des tourelles un peu partout, mais... Mais du coup, je balise maintenant. Casse-toi, le chien. Enfin, non, je suis désolé. Je t'aime. Hein. Non, bah, ça va, du coup. C'est bon, tout se passe bien. Il y aurait pas un autre petit katana dans le coin, là, mais juste pour le délire. Military Cap. Si on va prendre ça, on verra, parce qu'il y a un... Raider Katana, voilà, impeccable. Ok. On a perdu contact avec les secteurs 2 et 4. C'est rien, ça. T'inquiète pas pour ça, poteau. On va tout régler. Je vais tout réparer. Oh. Mais je sais pas si c'est un sentiment que les gens ont beaucoup, tu vois. Mais j'ai l'impression que peu importe où je vais dans Fallout 4, tout est tenu avec des élastiques et du scotch, quoi. Et j'ai l'impression que le jeu est vraiment pété à chaque fois. Là, par exemple, dehors, là. Mais c'est l'enfer, regarde. Les trucs sont pas texturés. T'as l'impression que c'est vraiment tenu avec du scotch, quoi. Regarde, mec. Ah mais c'est une blague. Et j'ai... Oh putain. Le mec il est en train de faire des suppositions. Alors son perso, il a foutu des mods pour que son perso soit un sataniste qui lâche des caisses, s'il te plaît quoi. Oh c'est bizarre. Non mais cherche pas, j'ai jamais compris pourquoi tout le monde se branle sur ce Fallout. Bah ouais, je sais pas. C'est pas sympa pour le scotch qui a fait ses preuves lui. Pourquoi il rigolait elle? Bah ouais, mais réfléchis. Quoi, fallait pas me chercher? Je te cherche pas particulièrement, c'est toi qui es là, hein. Ah, mais c'est lui qui a fait chier, regarde, il est du missile, là. Tu regrettes? Tu regrettes ou pas? Allez, faut qu'on change un peu de munitions, là. Le rechargement est très bien fait, hein. File-moi un peu, tiens, ça fait longtemps qu'on n'était pas allé avec Redson. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Redson. Je sais pas trop par contre pourquoi j'ai pris son lance-roquette. J'avais oublié que c'était bien ça aussi. C'est quoi? Ouais non, c'est de la merde. Il a de la merde sinon. Bonsoir. Ça c'est bien ça. Je suis bien plus content de trouver un petit ventilateur. Que des... Ouh non, les missiles j'aime bien quand même. J'avoue, les missiles j'aime bien. Ah ça, j'en ai besoin ça. Yes. Attends, je vais tège le lance-roquette qu'on vient de prendre là, voilà. Impeccable. Dire que moi je suis une vieille cuillère. C'est con hein, t'aurais pu être un Mauser calibre 50, mais non, tu es une vieille cuillère. Y'a vraiment pas de justice hein. Quelque part. La 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 la. J'ai peur de rien. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que vous branlez, bande d'abrutis? Ah! Il y a des jambes en moins! Oh, t'as eu Rocket Chip! Salut, les gars!
Oh, c'est marrant, ça fait vraiment des petits. Yes, impeccable. Je suis pas fou, je peux les revendre, les armes légendaires et uniques. Oui, hein, oui. Pour me faire de la thune. Rassurez-moi. Oui, ok, d'accord. Ah, oula. Ce chasseur en veut à la ville, à la fille. De quoi? Je veux pas de la fille, moi. C'est... Ouh! Je crois que c'était le cordon pour aller au motel dans Contrôle. Mais non, pas du tout, parce qu'on n'est pas dans Contrôle. D'ailleurs, j'ai fini Contrôle et il est bien, quand même. Vous devriez le faire. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va, la chose. Aïe, yon. Elle était bonne, un peu, elle. Ça va faire mal. Référence, c'est quel fantastique. Ouh! Allez, mon chien, il est immortel et il rigole pas trop, mais... Putain, les steampacks, c'est de la merde, maintenant. Tu serais pas un peu avare en steampack? Je trouve pas particulièrement... Attends, il faut que je me foute une grenade. C'est quoi? Non, j'ai pas besoin de grenade. J'ai besoin de Chubby. Est-ce qu'il est en train de me tirer dessus, la MG42, elle aussi? Alors là, on va avoir un problème. On va avoir un énorme problème. C'est bon? Non, c'est bon, en fait, on a pas de problème. Ah ouais, elle a essayé de me tirer dessus, la MG42, hein. Pff, en plus, c'est une MG42 5mm. Moi, c'est du .308 hein, que j'ai dans mon... dans MG42. C'est quoi? C'est du 9mm, du coup, le .308? Putain, c'est vrai qu'il faut que je mange les corps. Eh, mais j'oublie à chaque fois, hein. Impeccable. Le mec, il rote, il pète. Prends son cul pour une trompette. C'est le pire walkthrough du monde, je crois. Hop, allez, je finis ma citronnade. Mmh. 308, c'est plus du 762. Ah, c'est sympa, du coup. Pourquoi je vois rien, là? C'est quoi le délire? C'est quoi, y a des alertes? Ouais, bah repérez-moi, qu'est-ce que ça peut me foutre? Venez vous la mettre, bande de gros PD, là. C'est quoi ça? Impossible de pirater ça. Merde. Impossible de pirater ça? Ouais, je me suis chié dessus. C'est comme le gars qui est en train de streamer Mafia 3, mais qui s'est chié dessus et sa mère vient l'engueuler. Vous l'avez vu ça? Quoi? Y'a un mec qui se fait torturer là? Vas-y, fais voir. Attends, il est où le mec qui se fait torturer? Attends, je vais l'enculer là. Enfin, je vais l'enculer. Filme-moi, Hoffman. Rien ne t'oblige à faire ça, mais si, il est contractuellement forcé, le mec. Attends, vas-y, je veux le choper, lui. J'aime bien les gens qui torturent d'autres gens, mais il est en train de me niquer ma clientèle. Il est où? Je vais le claquer à coup d'Hoffman. Mais t'es qui, toi? Tu veux parler? Ah bah non, voilà. C'est ce que je me disais. Mais t'es où? Oh non, il est caché. Ah, nice. C'est quoi? Vous devez me tuer, alors allez-y. Ouais, attends, bouge pas. On va le buter avec... Bah tiens, Redson. C'est horrible, hein. C'est horrible ce qui est en train de se passer, hein, mais tant pis. Il est super classe, ton uniforme, toi. Viens là. Hop. Attends, putain, mais t'es lourd. Attends, je t'enlève ta carotte. Non, mais non, ça marche pas. Toi, ça, je prends... Mais qui c'est qui parle? Elle est... Oh! Et en plus, j'ai l'impression qu'il est chargé, le Fat Man, là. Ça va être bien, ça. Ça va être bien, ça. Ok, donc ça, non. C'est qui parle? C'est toi qui parle? Mais merde, et c'est pété. C'est pété. Attends. Ah, ça me gratte le nez. Mais qui c'est qui parle? Ah, c'est toi? Salut. Il méritait de mourir. Ouais, ok. Bien. Je ne peux pas m'en sortir seule. Qui êtes-vous? On parlait de la porte. Ok. Le garde a mis le mot de passe dans une boîte à outils. Utilisez-le pour accéder au terminal. Ok. Putain, elle va tellement manger, donc bref. Mon gars, alors celle-là. On va ouvrir la porte. Ça va être catastrophique pour sa gueule. Je sais pas qui c'est. C'est qui la meuf, là?
Merde, j'ai pas ouvert. De quoi vous parlez sur le chat, bande de malades, là? Ça commence à parler de Macron, n'importe quoi. Vas-y, alors, ascenseur, c'est bon. Et ensuite, on ouvre la porte. Voilà. Balek, nique là. Tu crois qu'on peut la niquer? Ah, mais on peut pas en faire une follower, elle? Bonjour, madame. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Personne ne vous a rien dit? Je suis un peu le messie dans le coin. Je sauve les gens. C'est mon job. L'institut m'a donné ma matricule. Mais je savais qu'ils allaient m'envoyer un chasseur, mais j'aurais sûrement réussi à lui échapper. Encore merci pour le coup de main. Et au cas où vous poseriez la question, non, je n'ai plus besoin de votre aide. Le Commonwealth, c'est tout sauf un camp de vacances. Tu vas où? Tu vas où? Ah mon dieu, ils l'ont tué, c'est horrible. Viens là toi. Là 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 là, je suis un synthétique. Attends. Hé hey. Allez, au revoir. Pickle. Falcon. Punch. Est-ce que je peux passer directement par là? Milk. Il faut sans doute un terminal pour ouvrir ça. Sans déconner. Ça fait quoi directement de passer par là en fait? Je comprends pas. I am the hunter. C'était un fake. Ok, la puce de chasseur est la clé qui vous permettra d'infiltrer l'institut, mais d'abord il faut la décoder. Et du coup, je vais utiliser qui pour la décoder si c'est pas la Railroad Q là? Je m'étouffe avec ma propre salive avec ces conneries. Tu veux t'étouffer avec la mienne plutôt? Oh la classe du truc. C'est ma nouvelle catchphrase. C'est ma nouvelle, comment on dit, pick-up line. Gros quai. Oh les mecs, si on peut plus s'étouffer sur la salive de ses potes, je vois pas ce qu'il nous reste. Hein. Franchement, truc de petite chatte. Hein. Je préfère embrasser les filles, je suis sûr, espèce de pédé. Elle est où mon eau? Oh, elle est de merde. Ça, c'est de la flotte. Qu'est-ce que c'est ici? Oh non, c'est merde. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Comment t'as réussi à être mort? Il y a virtuellement rien qui peut te tuer ici. Waouh, on a une super vue sur cette fumée. Y a rien d'autre à faire ici, c'est juste pour se TP vite, en fait. Alors, du coup... Preston, il peut analyser une chip, lui? Il est fou, lui. Faites analyser la puce de chasseur. Ouais, mais c'est là que je suis, moi. Good Neighbor? Ah, faut aller à Good Neighbor! Eh bah écoute, Good Neighbor, c'est-y pas. T'es en train de te branler, là? Tu pourrais prendre ta bite, quand même. C'est le gars à Sanctuary. Sanctuary! Sanctuary! Mais pourquoi il m'amène à Good Neighbor, alors, si c'est à Sanctuary? D'ailleurs, je trouve que les noms Good Neighbor et Sanctuary, en fait, ils devraient être inversés. Je connais pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je crois pas une seule seconde à leur connerie. Ouais, t'as de la chance. Est-ce que t'as un katana? Les armes que vous voyez là. Ta gueule. Voyons ce que vous avez. Il est horrible. Je veux juste voir si t'as un katana. D'abord, je vais te vendre ça. Et je vais te vendre ça. T'as un 121, et pas tout à la fois. Hein. Ça, on s'en fout, tiens, on va le vendre. Fragmentation Man, on va le vendre aussi. Le Fat Man, on s'en... Ah bah j'ai 3 mini-nukes, du coup on s'en fout. Et maintenant, est-ce que t'as un katana toi? Qu'est-ce qu'il a? Une canne. Tactical Incendiary Repcon Aerospace V31 Pistol, d'accord. C'est mieux qu'une canne. Armalite AR-51. Oulo, bizarre. Ported Winchester modèle 2100. Mais qu'est-ce que c'est que ces noms? Je les ai jamais... C'est quoi ça? Jaguar MSX-200. Qu'est-ce que c'est? Attends, je vais voir ça. Laser Sword, ça on en a déjà une. Penetrator. Penetrator. C'est le traître des pénérigatés, quoi. Desert Eagle, d'accord. Submachine Gun. Bouton Train. Ok, écoute. Là, tu me dois de la thune. File-moi. Beretta 470. Voyons. Bizarre, hein? Atomics Rifle, ouais, ok.
File-moi ça là, je veux voir ce que c'est le MSX 2000. Bah, c'est très très cher. Voilà ce que c'est. Pourquoi c'est marqué 397 là, c'est quoi? Ah, c'est le DPS. Et pourquoi il n'y a pas de DPS sur les armes au corps à corps par exemple? Bon, c'est pas top en plus, non? Le pénétrator, tu le charges avec les pattes, me semble. Non, c'est des conneries, ça, non? Le pénétrator, ça, là, tu le charges avec des... Poids 308 pasta! Non! Ah, mais c'est pas des vannes! Ah, mais c'est pas des vannes! Non mais je crois que ça veut dire que je peux changer le calibre de celle qu'on a déjà pour la transformer en lance-pâte. Non, je crois que je peux faire ça avec. Attends, parce qu'elle nous doit 450 balles, mais du coup je vais lui acheter des munitions. Je vais lui acheter du 308 pour 160k, pourquoi pas. Voilà. Non, pas annulé. Voilà. Impeccable. C'est quoi? Ouh! Oh! Chut. Vous me voyez pas. Viens, on dit que vous me voyez pas. Ah, caché! Attention! Achète des missiles. C'est bon, j'en ai 4, Choub. Ça ira. Ça ira, t'es caté. De toute façon, je pense que je vais couper dans pas longtemps. On va faire ça là, l'analyse de la puce. Et ensuite, je pense que je couperai. D'accord, j'ai pas envie de couper trop tard. Vous avez un passé. Ta gueule. Ça m'intéresse pas de te parler. En plus, tu pues. Tu sens la viande pourrie et les radiations. Et bisous, Arterus. Ouais, à plus. T'as dû partir, mais... Pince dans la vista. Today just had to be a Monday. Putain, je crois que c'était une meuf qui écartait les cuisses de super loin. Ok. Bonsoir, j'ai besoin de quelqu'un qui pourrait traduire un genre de petite puce rigolote. Ravi de vous revoir. La mère luminescente, Virgile, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de spécial. J'ai juste pris la radiation et fait la foire avec un gros type tout vert. Après, j'ai arraché une puce cryptée du cou d'un chasseur. Il n'a pas apprécié. Vous avez combattu un chasseur? Enfin, combattu, j'ai mis deux coups de katana en fait. Il est mort. Quel gros PD. Jamais de chasseur. Je ne sais rien de ce genre de puce. Et encore moins comment les décrypter. Par contre, il y a des gens qui le savent peut-être. Je travaille avec un groupe. Disons que ce sont les seuls que je connaisse qui pourraient tenter. Oh, j'espère que c'est pas la Railroad, j'ai pas envie de faire ça. Mais on n'est pas obligé de la découvrir, le réseau du rail. Ouais, le réseau du rail, le Railroad Network là. Prochain arrêt, le réseau du rail. En voiture. Chou chou. D'accord. Oh, chaud de fou. C'est une phrase codée pour les trouver. Oh, c'est vénère. Oh, la vache! Marrant. Dans mon club secret à moi, le mot de passe, c'est « Vive moi ». Oui, enfin... Ouais, lol. Ouais, trop marrant. Tu pourras montrer sa gueule de face après, je voudrais faire un dessin. Ok, je veux bien, je vais faire ça tout de suite. Tu bouge pas. Sa gueule, attends, je vais trouver un endroit où il y a pas mal de lumière. Je crois que là, on peut voir bien. Merde, attends. M'appelle pas Trésor ou je te décapite, sale pute. Comme ça, attends, je peux pas faire plus de face en fait. Comme ça, ça te va? Mec, il a un œil qui est complètement affaissé quoi. Vous passez du bon. Est-ce que ça te va? Après, Chubby, j'ai envoyé une photo de sa tête dans Vidia hier soir. Si tu. Si tu veux aller voir. Attends, j'ai envie de lui foutre un pain à elle, voir si elle meurt. Eh bon, madame? Ouais, elle meurt, hein. Non, 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 le chien! Non! Oh merde! Mais t'es complètement barjo, toi! Putain, le Clems! Est-ce que t'as vu que la meuf en plus elle faisait genre elle avait rien vu? Ça m'a fait peur ce truc. Elle faisait genre elle avait rien vu, c'est je continue à travailler, c'est pas grave. Trouver le réseau du rail, fallait faire quoi du coup? J'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, on verra ça au prochain stream, je pense. On verra ça au prochain stream. Ah.
La meuf, elle a pas eu le temps de piger ce qui lui est arrivé. Non, mais... concentre-toi sur ce que tu fais, Michel. Le chien, il a pas le temps pour ses conneries, je crois, en fait. Je crois que le vrai héros, c'est le chien là-dedans. Tu peux me prendre un screen avec son chapeau de cuisinier? J'ai le stream en low, je peux pas acheter. Alors, bouge pas. Je vais aller au... à la maison. Tiens, il y avait un truc que je voulais vérifier à la maison en plus. Putain, elle habille est stylée, elle. Petite Converse. Petit perfecto à l'ancienne années 50. Bon, par contre, il y a au niveau de la capillarité, c'est pas top, mais... Ok. Je voulais voir un truc, de toute façon, à Sanctuary. Et je vais pouvoir te faire un screen bien, Chubby. Je vais aller modifier un petit peu. Il est où, John Cena, du coup? Mais ta gueule avec John Cena, c'est incroyable, ça. Ah, yes. Ok. Bon, bah voilà, c'était encore une petite partie de Fallout 4. Hein, je suis désolé, mais... ce soir, j'ai pas trop le temps. Et cette semaine, je veux pas vraiment être là. Donc, la prochaine partie de Fallout 4, je pense que ça va être... ouais, la semaine prochaine, quoi. Certainement la semaine prochaine, donc appréciez bien. J'espère que vous appréciez ce qu'on a fait. On avance un petit peu, quand même, c'est agréable. Et évidemment, putain de temps de merde en permanence, ici. Alors, attends. Ammunition Workbench, établi d'armure. Voyons voir. Dirty Army Fatigues. Putain, mais non, je peux pas, hein. Ça me fait chier, je téléchargeais un mode pour avoir des uniformes nazis, ça marche pas. C'est incroyable. Non, bah, je peux pas. Bon, bah, tant pis. En tout cas, on va juste faire ça pour pouvoir faire un screen pour Choub. Regarde. Ça va être impeccable. De toute façon, je vais devoir l'utiliser aussi pour faire les thumbnails, donc... c'est dommage. Mais ouais, si on avait eu le chapeau nazi, ça aurait été encore plus drôle. Oh. Il fait vraiment tellement peur, quoi. Allez-y, faites vos screens. Allez-y, le temps qu'on... à tout le corps avec cette nuit et tout. Ouais, mais ça va être compliqué, ça. Parce qu'en gros, tu peux pas vraiment avoir de... oh putain, il est horrible. Attends, comment je peux avoir bien la bonne lumière, là? Là, comme ça, là? Si je me mets ici? Voilà, il a des talons, en fait. Il a des bottes mi-cuisse. Il a des bottes mi-cuisse avec les talons aiguilles. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouais, il a des talons aiguilles. Et puis, il a son fameux short de la Hulkmania. Hulk Maniac. Bon les copains, je vous fais un gros bisou. J'espère que ça vous a plu, on a quand même ramassé 3 putains d'armures de fou. Et on a avancé un petit peu en scénar. La prochaine fois, j'essaierai de faire un stream uniquement de Fallout 4 la semaine prochaine. Il y a les streams toute la semaine, des gros streams. Et vendredi, il y a le stream de 24h sur Borderlands 3. J'espère que vous serez là. En tout cas, je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.